bafan kubona. Chamele kamshunga mata koba, tata de kushwa, kukwa baba mbubwa wandwe mena. Media to Africa. My name is Marechal Tiano. Welcome to Diasporama. Hello, ladies and gentlemen. Once again, welcome back to Media to Africa. This is your show, your TV show, one of the best in the best Diasporama. Today, on Today Diasporama, this Saturday, April 27 edition, I have a privilege, I have a joy to receive one of the most talented international artists. She's all the way from Brussels. So, ladies and gentlemen, since she speaks French, this show is going to be fully in French. We have to do it because she can speak English.
English at all. Bonsoir, bonsoir, très chers téléspectateurs de Média 2 Africa. Bienvenue sur la télévision numérique. Je suis le maréchal Tiano, votre humble présentateur de votre émission préférée, Diasporama. Diasporama de ce jour, nous allons parler de la culture. Et pour parler de la culture, j'ai le privilège, j'ai l'honneur de recevoir l'une des plus talentueuses artistes dans le genre Bensikin. C'est vrai qu'elle fait aussi de la world music. Ce n'est personne d'autre que Passy La Noblesse qui a fait le déplacement de Bruxelles pour Washington pour un événement dont nous allons en parler pendant ce 58 minutes d'émission. Bonsoir Passy et bienvenue sur Washington. Bonsoir Maréchal, c'est un grand plaisir de me retrouver sur ce plateau et bonsoir aux téléspectateurs. Oui, c'est, on vous a déjà la dernière émission de Diasporama. On vous prenait déjà en direct depuis Bruxelles avec la technologie, avec l'aide de la technologie avec Spike. Donc c'était un succès, c'était une expérience que vous avez aimée. Bah, je suis pas bien aimée. Hein. D'ailleurs, j'ai l'habitude, mais c'était vraiment. J'ai fort rêvé ce moment. Me retrouver vraiment en studio afin de vivre ce live. Donc, c'est avec plaisir que je vais partager ce moment. Voilà. Et vous qui nous regardez à la maison, merci de nous faire l'amitié. Merci de rester connecté. Merci de rester scotché sur la page Facebook de Média 2 Africa, la télévision numérique la plus en vue de l'heure, sur votre émission préférée, Diasporama. Alors, comme je disais tantôt, Diasporama aujourd'hui, on a sur ce plateau, Passy La Noblesse. Passy, avec vous aujourd'hui, on parlera de tout. Ah, je suis très émue, hein. Je suis bien disponible, j'attends tout, je suis contente de partager avec votre public et les miens, bien sûr. Donc ce sera un moment de rêve et voilà, je pense que nous allons aimer. Tout à fait. Bon, on va commencer déjà par l'événement qui vous fait venir à Washington. C'est bel et bien ce projet d'eau potable que la communauté bantoum de Washington a voulu bien vous choisir comme artiste pour venir soutenir ce projet. Alors, pourquoi avoir choisi Passy La Noblesse? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi avoir choisi Passy La Noblesse? Je ne sais pas trop, mais voilà. On a toujours les fans de partout le monde et toujours, il y a toujours une raison. Tout à fait. De choisir l'un et pourquoi pas. Je dirais juste merci. Est-ce que c'est parce que Passy a une connivence avec le président ou bien le président du comité d'organisation? Moi, je connais même pas le président. Ah, voilà. Je ne l'ai même jamais vu, je ne le connais pas. En fait, le président, si je peux être plus clair, quand j'ai été contacté par le président, il m'a fait savoir, puisque l'année dernière j'étais ici, j'ai fait un spectacle à New York. Il semble que l'information relève de l'événement passé à New York. Mm-hmm. Parce que quand il m'a contacté, il m'a dit qu'ils ont un événement l'année prochaine et les adhérents portent leur choix sur ma personne. Okay. Voilà, par rapport à la prestation de New York, ils ont aimé. Et parlant culture, ils ont trouvé que j'étais la bonne personne par rapport au contexte et qu'ils souhaitaient voilà, que je soutienne ce projet et j'ai partagé le même avis. Pourquoi je suis là? Alors, vous êtes comme ça à Washington pour un très très grand show ce soir qui aura lieu ici même à Washington, d'ici du côté de Saragota Avenue. Alors, qu'est-ce que vous promettez à ces invités-là qui viendront pour certains pour vous découvrir pour la première fois? Bon, moi je pense que ce sera rien d'autre que du bonheur. Hein. Ça va très très bien se passer. Je peux déjà dire merci au réalisateur de cette émission. Voilà, je ne sais pas si tu veux me passer le nom, Monsieur Maréchal. Le réalisateur Jules Kamfoudlati. Voilà. Oui, Jules Kamfoudlati. Voilà. Il est franchement super bien, super intéressant parce que hier, il m'a fait un accueil vraiment, je dis, c'était très très professionnel. On est passé à un angle de compte vraiment très très élevé qui a beaucoup porté parce que ce matin j'ai eu beaucoup de retours. Tout à fait. Oui, donc je dirais que beaucoup de monde regarde, le public est aux aguets, le monde attend. Alors je ne vais pas promettre autre que de satisfaire mon public. Je suis là pour mes fans, je suis là pour cet événement, mais également pour mon public de Washington qui peut-être de par la distance n'a pas souvent l'occasion de me voir sur scène. Ce sera vraiment un moment de communion très très important. Donc
Je suis prête. D'accord. Vous savez, c'est une émission interactive. Nous avons le privilège d'aller également communiquer avec nos auditeurs ou bien nos téléspectateurs qui nous regardent de par le monde entier. Nous avons comme ça Monsieur David Kabongo qui dit bonsoir à Richard Tiano. Je suis ton émission depuis Bruxelles. Salut. Passe la noblesse. Alors c'est à chaque fois que je suis à Bruxelles. Un de mes frères qui vit sur Bruxelles et qui aime bien ce que vous faites, et il nous suit en direct de Bruxelles. On va comme ça, de temps à autre, faire l'amitié à tous ceux-là qui nous regardent de par le monde entier. On va vous faire un coucou et vous pouvez également nous écrire si vous ne pouvez pas, la ligne n'est pas ouverte pour cette émission spéciale. Vous pouvez simplement nous écrire ou alors poser la question que vous voulez à notre artiste invité. Alors, on va revenir sur l'événement de ce 27 avril avec la communauté Bantoum. Alors, c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas la personne indiquée parce que il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées dans d'autres villes pour venir effectivement suivre ce show. Oui, donc je vais demander à Pascal d'arrêter son récepteur parce que ça interfère. Peut-être éteindre le téléphone pour le moment. Oui. Donc très chers téléspectateurs, on est un peu désolé pour ce qui se passe sur le plateau. Comme je disais tantôt, on a beaucoup de gens qui ont fait des déplacements dans d'autres états pour venir vous regarder et vous avez promis un show inédit. Alors, est-ce qu'il y a une surprise que vous gardez pour ces gens-là ce soir? Oui, il y a une surprise. Il y a beaucoup de surprises même d'ailleurs, dont je n'oserais pas dire. Déjà, je dirais merci à tous mes fans, des personnes que ça fait longtemps que je n'ai pas vues, mais qui, sachant que je devais être à cet événement, ont promis d'être là. Merci à ceux qui ne me connaissent pas et qui ont promis de me découvrir. Donc, les surprises, ça ne se dit pas, mais ça va se vivre. Tout à fait. Tout ce que je dis, c'est que soyez prêts, vraiment, ce sera une ambiance tropicale, comme je l'ai dit hier. Okay. Tout se passera vraiment très bien. Et je suis contente parce que la famille Bantoum est déjà également très prête pour recevoir son public. Mm-hmm. Parce qu'il y a la conférence de presse, tout s'est super bien passé. Super. On a eu quelques images de cette conférence de presse qui est déjà disponible sur YouTube et qui est également en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà, avec la technique, avec la magie de la technique de Média 2. Oui, donc... que j'apprécie beaucoup, franchement, très pro, quoi. Voilà, nous allons également dire bonsoir à Honorine Minia qui dit je serai là, c'est tout. Merci Honorine de supporter l'événementiel. Oui, donc alors parlons proprement dit de Passy la noblesse en tant qu'artiste musicienne. La dernière fois, on a parlé à l'édition dernière de Diaspora Allemand, on a parlé de comment est-ce que vous avez commencé la musique. Alors, si on vous demandait aujourd'hui dans quel genre musical vous situez-vous? Parce que dans d'autres clips, parfois vous faites un bass scheme upgrade, comme on peut dire. Parfois, c'est un peu l'air d'être coupé, décalé. On ne sait pas. Quel genre de musique faites-vous, effectivement? En fait, voilà, musique. Comme vous venez de le dire, mon bass scheme, il est décalé. Il n'est pas décalé parce qu'il n'est pas un bass scheme. C'est un bass scheme accessible. Moi, j'ai pris une posture. C'est du bass scheme que vous faites. Voilà. Bon, maintenant, la façon dont tu appréhendes les choses, c'est juste parce que j'alterne la chose, ça veut dire quoi? Moi, mon départ de tout, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est en Europe. Alors, quand je me rends compte que si on va sur le tempo traditionnel, il y a beaucoup qui ne se retrouvent pas. Mmh. Il y a beaucoup qui ont du mal. Ça a été exécuté par nos ancêtres. Mmh. Voilà, il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Il y a la nouvelle technologie, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Et moi, en principe, mon but de rendre ça un peu plus accessible, facile à danser. Même celui qui ne connaît pas les pas de danse, mais est-ce qu'ils peuvent danser mon band skin? En fait, le but, c'est que la musique doit être, elle doit être accueillante pour tous, accessible pour tous. Tout le monde, moi, j'ai fait des spectacles avec des Guinéens, Congolais, mais tout le monde se retrouve. Parce que quelle que soit la manière qu'on entraîne, c'est du folklore. Tout à fait. Voilà, la base reste la même. Parce que même quand on prend fond Ben Skin, moi, je me suis retrouvé où j'ai joué avec des gens en live qui ne savaient pas jouer du Ben Skin. Mais ils m'ont fait un CBN qui était sur un fond congolais et un fond ivoirien. Vous avez trouvé la voix et ça a marché. Voilà. Donc, moi, je dis, la musique africaine, c'est du folklore. Ouais. Quelle que soit la base,
la finalité, c'est la même chose. Peut-être c'est la tonalité, c'est la façon de modérer les choses, ou bien la rime qui n'est pas la même, mais on reste dans le même contexte. Alors, parlons maintenant de lyrique et de vos messages. Alors, qu'est-ce que vous dites généralement dans vos chansons? Est-ce que vous vous inspirez de votre propre vie, de la société, ou alors de votre famille? Là, je dirais la société, ma vie, la famille, plus la vie sociale en fait. Parce que plusieurs de mes titres, quand j'ai parlé peut-être de Menkobo, j'ai parlé de Banouyom, il y a pas mal de titres où je parle de la vie en société. Menkobo, ça veut dire quoi? Menkobo, voilà, c'est un mot du bah, en français, ça veut dire mauvais esprit. Mauvais esprit, voilà. D'accord. En personne, des personnes, comme on dit, des personnes, des ondes négatives ou des personnes, tu vois un peu, voilà, genre, il y a des personnes ici qui croient qu'ils peuvent facilement déstabiliser les autres. Ou dans un monde, parce que ici nous sommes à l'étranger, nous sommes très très loin, on embrasse tout le monde. La société est mélangée, chacun sa culture. Et maintenant, il y a parfois d'autres qui essaient d'influencer certains. Alors, voilà, donc il y a un peu ça, et parfois, l'influence de quelqu'un peut te rabaisser, ça peut te frustrer, au point où tu perds ta confiance en soi. Donc, il y a pas mal de choses. Et quand peut-être dans un titre que j'ai chanté comme Chumao, où moi je parle des histoires de l'Europe, ça c'est mon vécu, c'est le vécu de pas mal d'autres. Tout à fait. Ici on est dans un monde où voilà, on sait qu'on part en aventure, mais on sait pas comment. Donc dans ce titre Chumao, vous parlez de l'aventure, comment est-ce qu'on arrive en Europe, de l'intégration et tout. Voilà, en dehors même de l'intégration, en Europe il n'y a plus de famille. On ne vit plus comme en Afrique. En Afrique, c'est le partage. En Afrique, c'est un pour tous pour un. Mm-hmm. Mais en Europe, c'est tout le contraire. Et c'est ainsi. Voilà, comme on dit, c'est le système. Ouais. Voilà, donc il y a des choses qu'on devrait savoir. Pourtant, au départ, on n'est pas préparé à ça. Peut-être Maréchal, il sait sa femme avec les enfants. Il dit, bah chérie, écoute, c'est pour quelques jours. Tout à fait. Et dans c'est le plan de faire des années. Marie, c'est un grand bosseur. Ouais. Ça va même pas durer 2 ans, mais je serai là. Mais après, tu te rends compte que tu vas à 20 ans et sans issue, tu es même déjà engagé avec pas mal de femmes. Tout voilà. À fait. Alors, voilà. Parlons également de l'environnement où vous vivez. Nous savons que en Europe, il y a beaucoup de ces artistes africains qui ont immigré de ce côté-là. Est-ce que c'est quoi la corrélation que vous avez avec tous ces artistes africains qui sont du côté de Bruxelles, du côté de Paris, ou bien en Europe en général? Est-ce que vous collaborez? Est-ce que vous travaillez ouais, ensemble? Ça se passe bien. Hein. Comme il y a un événement, Willy Miss Académique, il organise un événement le 29 juin. Moi, je vais jouer avec Flavor. Tout à fait. Voilà, c'est un artiste nigérien. Ouais. Il est sur un plateau camerounais. Tout à fait. On ne parle pas de Cameroun, on parle africain. Tout à fait. Moi, je fais des plateaux avec des moi, je des Congolais, voilà, des Ivoiriens. Je dirais peut-être bonjour à Didier Oularé. Mm-hmm. Voilà, lui, c'est un producteur. C'est qui, Oularé? Il a une discothèque sur la place bruxelloise. Okay. En tout cas, tu es le chef du Critérium. Tu auras l'occasion de découvrir. D'accord. Donc, Oularé, il a une discothèque sur la place où il produit des artistes mix. Oh, il est même l'un des promoteurs aussi de ce que je fais. Ah, d'accord. Donc, il y a beaucoup. Moi, je dis, les Africains, ils sont solidaires. Mm-hmm. Kérosène, il se retrouve chez les Camerounais. Tout à fait. Tout le monde est partout. C'est mm-hmm. l'Afrique qui gagne. La collaboration, c'est partout. Ok. Alors, est-ce que vous avez une artiste africaine ou alors camerounaise qui vous a inspiré depuis votre bas âge, lorsque vous avez commencé à faire de la musique? Oh, dès que j'ai commencé à faire la musique, une artiste africaine. Moi, je dis tous les artistes m'inspirent. Ok. Quand je dis tous les artistes m'inspirent, ça veut dire chacun est dans son langue, chacun est dans son univers. C'est l'œuvre de l'esprit, ça veut dire chacun a une motivation, chacun a une vision. On ne peut pas tous regarder la chose de la même manière. Tout à fait. Il y a une motivation pour toi de faire ce plateau, Marichal. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu interdirais que ça ne se dise pas sur ce plateau. Ah oui. Parce que ta vision, ce n'est pas ça. Tout à fait. Ton optique, ce n'est pas ça. Mais les personnes qui sont intéressées par ta vision, par ton idéologie, s'intéresseraient à ce que tu fais. Tout à fait. Par contre, d'autres s'intéresseraient à autre chose. Voilà. De par ce qu'ils aiment. Mm-hmm. Donc moi, je dis, chaque artiste inspire. Parce que ce qu'on exprime vient toujours d'une pensée. Tout à fait. Donc je respecte vraiment l'art de tout un chacun. Et on doit apprendre de tout le monde. Alors parlons maintenant du vent social
qui fait avec le Cameroun, les artistes. On a maintenant deux groupes. On a les Tontina, les artistes Tontina d'un côté, les artistes sardinaires de l'autre. Alors, est-ce que vous avez un parti pris dans tout ça? Bah, je suis désolé. Hein. Moi, je ne parle pas politique parce que je ne fais pas la politique. Ok. Moi, en pays Bamiléké, je suis maman, je suis la maman des jumeaux. Oui. Je suis née pour faire la paix et non la guerre. Ok. Je ne fais pas partie des gens qui choisissent où vivre. Parce que je vis en Europe, les Blancs me prennent en charge, moi je ne suis pas européenne. Oui, bon, mais alors... Donc, dit Tontina, Sardina, moi, ça, c'est pas mes affaires, moi, je suis Camerounaise. Bon. Et tout le monde est Camerounais, il peut se passer un mauvais vent, et ça finira par passer. Donc, c'est pas la peine, quand il y a tension, c'est pas la peine de passer des langages. Il y a personne qui doit, être en dehors du Cameroun. Tout à fait. Qu'il soit content ou qu'il ne soit pas content, c'est un Cameroun pour tous, c'est un Cameroun pour nous. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que la paix règne au Cameroun. Et que disent que Tontina ou Sardina, tout ce que je sais, c'est que il peut avoir les moments de tension. Même si on te dit des choses que tu n'aimes pas ou quand ça ne respecte pas voilà, ton idéologie. Oui, tu n'es pas forcé. C'est pas toujours la réplique qui fait la chose. C'est pas toujours parce qu'on doit dire quelque chose que c'est important. Oui, mais alors, lorsque vous voyez par exemple une artiste qui est qualifié de qui interdit de spectacle parce que qualifié de Sardina ou bien de Tontina, je sais pas. Alors qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'artiste? Qu'est-ce que vous ressentez? Prenons le cas dernièrement de l'artiste Niangono, si pour ne pas citer son nom, qui a fait le déplacement du Cameroun et qui avait concert à Paris et qui a été boycotté. Vous en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, voilà, comme tu viens de le dire, moi en tant qu'artiste, qu'est-ce que je ressens? Moi alors, en tant qu'artiste, je suis qui pour donner une position face à un monde? Non, bon, juste... Je suis désolé, ne m'amenez pas dans un univers qui n'est pas le mien. Moi, j'ai pas fait politique, moi, je sais pas c'est quoi. Et le problème, c'est que je vais pas m'amener à dire quelque chose. Je ne peux pas parler à la place des autres. Non, c'est pour parler à la place des autres. C'est vrai, je suis artiste. Oui. Mais il y a des choses... C'est juste de donner votre point de vue, bon voilà. Ce que moi, je sais, c'est que l'artiste, c'est un public. Quand je sais que l'artiste, c'est un public, oui, peut-être M. Niangono a été boycotté. J'ai pris un exemple, il y en a un voilà, plein. C'est ce que vous dites. Mais avant M. Niangono, il y a eu d'autres. Oui, bien sûr, J'ai pris le dernier en date. Voilà, c'est le dernier, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui. Ça me dit que personne n'est à l'abri de ça. Le showbiz est mort, c'est la culture qui en souffre. Voilà. Alors, ce n'est pas à moi. Moi, je crois qu'il y a des personnes bien placées, des personnes habilitées, des personnes qui ont la responsabilité de gérer ces genre de choses. Est-ce que vous vous, vous cachez pas là, par exemple? Vous vous cachez là un peu? Vous essayez juste de vous cacher derrière votre personnalité. Moi, je me fais pas. Vous essayez peut-être de vous cacher derrière votre personnalité. Dire que je me fais cacher, c'est trop dire. Oui. Moi, c'est que dans ma vie, j'apprends pas à parler ce que je sais pas. Ok. Sincèrement, c'est un point de vue à respecter. Oui, sincèrement, je parle pas de ce que je sais pas parce que les motivations, je ne sais pas. La nature, je ne sais pas. Je ne peux pas conclure quelque chose ou m'insérer dans une histoire que je ne maîtrise pas. Ouais. C'est vrai, je suis artiste. Ça peut ne pas me plaire. Mais je peux ne pas savoir la motivation des autres. Mais je ne peux pas savoir pourquoi ça ne me plaît pas. Je ne sais pas si c'est la bonne résolution ou pas. Et moi, je pense toujours qu'il y a des personnes initiées. Il y a des personnes qui ont la responsabilité. Le Cameroun, c'est quand même un grand pays. On a quand même des hommes de pouvoir, on a quand même des personnes disposées à dire certaines choses où il se doit. Moi, je ne suis pas la bonne personne. Alors, est-ce que vous ne dites rien parce que vous ne vous sentez pas concerné? Ou bien alors, vous n'êtes pas la personne de ressources? Non, je ne suis pas la personne de ressources parce que je ne dirai pas de bêtises et je ne dirai pas n'importe quoi parce que là, on parle du Cameroun. Tout à fait. On ne parle pas de passer la noblesse. Non, on parle pas de passer. Oui, en tant qu'actrice de la société, vous pouviez, en fait, c'est ce que je pensais. Parce que moi, par exemple, je suis un promoteur culturel. Oui. Vous voyez oui. Je suis promoteur culturel, animateur voilà. Et vous, en tant que promoteur culturel, qu'est-ce que vous dites de ce qui se passe? C'est à vous de le dire. En tant que promoteur culturel. Non, j'ai mon point de vue. Mon point de vue a été toujours, je l'ai fait même aux premières heures de cet événement, pendant que j'étais à Bruxelles au Clitorium, j'ai été interviewé. On m'a demandé mon point de vue et ça a fait le tour du monde entier. J'ai clairement dit ce que je peux redire aujourd'hui. Les artistes ne sont que des victimes. Je ne pense pas, bon, ils ont
Maintenant, ça c'est mon point de vue. Oui. Ça ne change pas ce que ceux qui sont en train de faire ça vont faire le lendemain. Mon point de vue, c'est que ceux-là, ce sont les victimes. Et si on doit parler de combat, je pense pas que ça devrait être le centre d'attraction. Peut-être qu'ils ont leur vision, par exemple, ils ont leur raison à eux d'interrompre ces artistes-là de jouer. Mais si on pense qu'on doit faire un combat, il faudrait... Pas qu'aujourd'hui, on dit tel artiste fait partie de la liste des sardinats, le lendemain il ne fait pas partie, le surlendemain on veut retirer quelqu'un qu'on a ajouté hier. Il y a un peu une démarche qui n'est toujours pas propre, vous voyez un peu. Mais monsieur Thiam, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous ne savez pas les motivations. Oui, mais vraiment, mon point de vue, c'est que les artistes sont les victimes, c'est pas avec les victimes qu'on devrait faire. Alors, voilà, vous en tant que promoteur, vous pouvez vous permettre de le dire, de par votre expérience, de par ce que vous savez. Ouais. Mais moi, en tant qu'artiste, moi, je peux vous dire que je suis artiste parce que j'aime la musique, je porte un flambeau de la culture, j'ai d'autres préoccupations, peut-être que la vie d'artiste. Alors, moi, je ne m'aventurerai pas à dire des choses dans un domaine dont je n'ai pas suffisamment de compétences pour porter critique. Donc... Je veux bien qu'on en parle, mais je ne saurais pas dire au-delà de ce que je... Non, déjà c'était juste une parenthèse, hein, c'était même pas le thème de ce jour. Je voudrais juste également rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes ici pour parler de la vie artistique et professionnelle de Passy La Noblesse. Elle est également à Washington pour un très grand show qui aura lieu ce soir même. Et vous pouvez, par exemple, avoir les numéros de tickets en bas d'écran. Il y aura les numéros de tickets pour la soirée Eau potable du côté de Bantoum. C'est un grand événement où l'artiste Passy La Noblesse va définitivement performer en cette soirée. Nous allons peut-être, avec le concours de la technique, dans un instant prendre la première pause de cette émission. On pourra avoir nos annonceurs publicitaires et également pour parler de la deuxième édition des Awards africains. Nous avons peut-être, avec le concours de la technique également, la vidéo qui annonce les catégories. Si c'est parti, on y va pour la pub. A tout à l'heure. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories, ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202-553-78-62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneur, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Awa 2019, ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, Awa 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories, ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202-553-78-62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneur, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Awa 2019, ne ratez pas le rendez-vous. L'artiste international Passy La Noblesse à Washington. Passy La Noblesse, doué d'une beauté extravagante. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories, ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202-553-78-62. Voici les 15. C'est pour vous. Je vais juste vous rassurer que le but de ce projet interpelle tout le monde. Nous sommes là pour l'initiative de l'association Bantoum de Washington. Une initiative noble, une cause noble.
pour des personnes de cœur, pour des personnes d'amour, pour des personnes qui savent partager. Alors moi particulièrement, j'apporte ma contribution. Je suis là, c'est pour satiner la soirée, c'est pour donner un côté peint, c'est pour faire un petit tour à Bantoum demain, parce que nous allons vivre une ambiance très très tropicale, typiquement tropicale. C'est pourquoi j'ai... C'est Benana que tu veux voir. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneur, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Awa 2019, ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneur, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Awa 2019, ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel. Merci, merci, rebonsoir très chers téléspectateurs. Nous venons comme ça de regarder les catégories de la 4e édition des Awards africains de Washington. Les Awards africains seront à sa 4e édition le samedi 30 novembre 2019. C'est l'événement africain, c'est le plus grand événement africain de la diaspora américaine. Les Awards africains, c'est bel et bien une plateforme qu'on a créée pour célébrer le talent africain à travers les États-Unis et désormais à travers le monde. Alors, une fois de plus, rebonsoir à Passy et merci pour cette intervention. Nous sommes comme ça sortis de cette question. Et maintenant, je vais prendre la réaction de, comme je vous ai dit en début d'émission, c'est une émission interactive, donc on va prendre la réaction de nos téléspectateurs. Il y a Virion qui dit magnifique, il y a Eric Afri qui dit bravo. Eric Samou qui dit bravo ma princesse et du courage, je te retrouve bientôt, Edwige. Merci la présidente. Yaya Badi qui dit du courage les gars, c'est avec des idées qu'on pourra changer l'Afrique. Merci Yaya Badi. Et également Vicky Yon qui dit le fire ma copine. Oui ma copine. Il y a Demafo qui dit bonjour Maréchal Tianou, bonjour Dé. Il y a Annie Bloudin qui dit master à moi, bisous hein. Bisous Annie. Également, il y a Edwige Samon qui dit prends ton calme et continue avec la tête haute. Tu ne fais pas la politique. Je dis bonsoir à Béjompi, à Pierrot, à Louis et Marie. Jocam qui nous regarde depuis Paris. Salut à Godéchal, Eric Monté, à Libacha, Edwige, Olivier Tchekonté,
Blaise Jean, salut mes recherches, salut Blaise, et merci pour le courage également. On annonce également cet événement qui aura lieu du côté de New Jersey. Ce sera le Bamileke Convention Convention Night, Dynamic Group Convention Night. Ce sera en date, si je me souviens bien, ce sera le 15 juin, si je me souviens pas, mais je vais regarder le flyer et je vais vous faire l'annonce avec les dates appropriées. Je serai du côté de New Jersey en juin pour ce très très grand... Non, je crois que c'est le 29, hein, si je me trompe pas. Ça devrait être le 29 juin. Je serai du côté de New Jersey pour ce très très grand événement. Avec toute l'équipe de Média 2, bien sûr, on y sera pour la production. Il y a également Jeff Orcel qui dit, je l'ai la maman chérie, tu es la meilleure. Voilà. Merci mon bébé. Voilà comme ça l'interaction qu'on a eue avec nos téléspectateurs. Alors parlons, vous avez regardé la vidéo annonciative des catégories des awards. Alors est-ce que vous connaissez cet événement? Oui, c'est bien que j'ai jamais participé à cet événement, mais je suis cet événement depuis le début. C'est un concept que j'apprécie. Et déjà, la personne de Tiano Maréchal, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que c'est quelqu'un ouvert. Il va un peu partout. C'est un collectif, je peux dire, c'est un ensemble. Tout à fait. C'est une personne, mais c'est un ensemble. Tout à fait. Parce que ça tourne autour de beaucoup de choses, ouais, et beaucoup d'expériences. Tout à fait. Voilà, et c'est bien que ce projet soit ouvert. C'est bien que ça reste plus un concept américain, ah ouais, parce que la récompense, c'est le monde, de pas le monde entier. La récompense motive, la récompense encourage, la récompense donne aussi de la motivation aux autres. Alors, est-ce qu'on espérait comme ça l'une des éditions voir Pascal Noblesse être en tant que guest star ou alors être en tant qu'invité sur l'un des canapés royales des awards? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pensable déjà pour le futur? Est-ce que vous savez si j'ai un passeport bleu, moi? Bon. Alors, parlant de passeport bleu, il s'agit bien des tickets des awards 2018. Les tickets sont disponibles. C'est un ticket qui a un featuring on ne peut plus comparer. C'est vrai que on a crié, bon maintenant les gens pourront peut-être tricher après, mais nous on crée les autres. Ouais, c'est vraiment gentil. Oui, on a crié. Je ne sais pas si la technique. Oui, la technique peut-être, je ne sais pas, pourra dans un moment ou un autre nous présenter ça sur l'écran. C'est vraiment des passeports. Prenez déjà, les tickets sont available, les tickets sont disponibles, comme on dit en français. N'attendez pas la dernière minute. Semble que ceux qui prennent en avance, ils ont plus d'avantages, ils ont le prix discount. Nous avons 2000 personnes, ça c'est le target de l'édition 2019. Nous serons à 2000 personnes. Et pour ceux qui connaissent l'événement, on n'en a pas fait moins. On était à 1500 dans les deux dernières éditions. À la première édition, on a commencé avec 700. Donc c'est l'événement qui va très très grandissant. Vous avez vu les catégories. Si vous avez des personnes que vous pensez qui peuvent être nominées dans ces différentes catégories, n'hésitez pas de le faire. Nous sommes dans la phase où nous nominons des personnes. Comment ça se passe? Parce que ça, c'est généralement la question que les gens demandent. Alors, il y a un comité, il y a deux stades. Il y a un comité qui recense ceux qui sont pré-qualifiés. Il les recense. Ou alors, vous pouvez vous-même souscrire. Comme voilà, vous écrivez à Washington DC, African Award, à gmail.com pour nominer des gens. Ou alors, vous allez simplement sur la page de Facebook des Awards africains. Vous écrivez, vous envoyez un message, vous dites, bon, voilà, nous avons envie de nominer tel qui fait dans telle chose. Le premier niveau de TAMI, c'est que le comité, l'Assemblée Générale des Awards va essayer de voir ce que fait cette personne. Pardon. Après, on va aller à la deuxième phase, on va soumettre ça au comité éthique. Ce comité éthique va encore regarder pour voir si, effectivement, cette personne est qualifiée dans cette catégorie et cette personne pourra être nominée. À partir de cet instant, cette personne est informée de sa nomination par une lettre, officielle.
officielle. Oui, nous allons prendre une autre pause un peu brusque parce que nous avons beaucoup d'annonceurs qui annoncent ici. Nous allons prendre une autre pause et si la technique a déjà calé les tickets de Awa, ce sera quelque chose qui nous fera le plaisir ou alors nous pouvons peut-être jouer une fois de plus nos annonceurs ou alors les catégories des Awa et lorsqu'on revient, on en parlera davantage. Si c'est parti, si c'est calé, c'est parti avec la technique. Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats proposés dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneur, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Awa 2019, ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats proposés dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School. Merci une fois de plus après avoir regardé et re-regardé encore ces catégories des Awards de 2019. Le rendez-vous est pris pour le 30 novembre 2019 lorsqu'il sera 20h pour la 4e édition des Awards africains, l'événement le plus en vue de la diaspora américaine. Alors on va revenir dans ce studio pour parler avec Passy la Noblesse, mais cette fois-ci de votre vie professionnelle. On parle plus de musique, on parle plus de Tontina, plus de Sabina, on parle plus de ça maintenant. On va parler de votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que Passy la Noblesse fait en dehors de la musique? 19, 15 catégories sont retenues cette année. La musique, je peux dire, moi je suis indépendante. Ah, d'accord. Ouais, je fais pas mal d'activités. Entre autres. Oui, je suis indépendante. Entre autres, vous faites que si c'est pas un secret de Polichinelle, que faites-vous en indépendance? À l'époque au Cameroun, on nous disait, si vous regardez votre écran maintenant, vous allez voir les tickets des awards. C'est là, sur le fond d'écran, c'est disponible là maintenant. Donc de temps à autre, on va vous faire regarder cela. Surtout le passeport bleu, moi j'adore. Ah, le passeport bleu, oui, bien sûr. Vous en avez déjà. Le bordel inférieur. Le bordel inférieur, n'est-ce pas? Oui, c'est là, le passeport, ça c'est le ticket des awards. Il y a le passeport marron et le passeport bleu. Alors on parlait tantôt de votre vie. Vous avez dit, je disais tantôt qu'à l'époque au Cameroun, vous demandez à quelqu'un, vous faites quoi? Il vous dit, je fais les affaires. Alors, moi, je ne fais pas les affaires. Alors, c'est pas si passif, fait les affaires. Je ne fais pas les affaires, je suis indépendant. Ça veut dire, même chez moi, je suis indépendant. Ah, d'accord. En fait, là, je dirais, mon quotidien est occupé par une activité personnelle. Ah, d'accord. Sur la place bruxelloise, j'ai un magasin à la rue Brunier, numéro 107. Okay. Donc là, c'est un magasin où j'expose beaucoup de choses. On fait aussi de la coiffure homme et femme. Oh, homme et femme. Oui. Bon, la,
prochaine fois que je viens à Bruxelles, je viens me coiffer là-bas. Je viens rassurer, c'est pourquoi je t'ai dit ton terminus à Bruxelles. Là, voilà, la prochaine fois que je viens à Bruxelles, là, je ne savais pas. En plus, le critère de cette année exceptionnel, hein, Big Cup à mon champion Kino Willimix du côté d'Atlanta. Willimix, il est aux États-Unis ce jour. Il est du côté de l'Atlanta pour l'événement que j'aurais dû également être moi, là. Moi également. Mais pour des problèmes professionnels. À Sylvie Dong. Bien que je ne sois pas là, oui. Oui, voilà. Sylvie Dong. Et à ma duchesse Patricia. Il faut lui tirer un coup de chapeau et beaucoup de courage. C'est une brave fille qui bosse énormément pour son concert. Courage à toi, Sylvie. Tu sais que tu vas nous regarder. Tu nous regarderas ou tu es peut-être en direct en train de nous regarder. Courage à toi et bon succès pour la deuxième édition de la Fashion Night avec SM Fashion depuis Atlanta. Voilà. Alors, je disais tantôt, ce mois on fait de la coiffure hommes et femmes. Je vends aussi des activités, des objets divers, voilà, des accessoires. Mm-hmm. Voilà, et bijoux et autres. Bijoux en or ou en... Non, des bijoux. Bijoux en général, d'accord. Voilà. Non, je demande juste parce que curieux. Bijoux dans son sens propre, ça veut dire tout ce qui est bijoux. Ah d'accord. Un peu comme le genre que vous avez porté aujourd'hui, là, au cou. Voilà, des montres comme ça. Des montres, ok. Non, ça c'est l'héritage de ma grand-mère. Hein. Ah, moi, vous ne vendez pas ça. Marchand, je suis ici avec vous, mais je suis magné, il faut me respecter. Ah, désolé, bon, je sais pas. C'est pas. Je suis là avec une émission. Ça, c'est l'héritage de ma grand-mère. Oui, je suis là avec vous pour une émission de télé. Bon, maintenant, les titres, le savoir, c'est important. Oui, c'est important, hein, c'est important. Oui. Nous sommes Camerounais, c'est la réaction culturelle. D'accord. Bon, c'est une blague. D'accord. Alors, en passant, je disais, là, on peut aussi trouver quelques objets d'art. Et voilà, autrement dit, il y a pas mal de choses. Hein. Okay. Il y a des choses qu'on ne sait pas tout dire. Oui, franchement, il y a pas mal de choses. Pour ceux qui savent, ils savent de quoi. Bon, alors, pour les gens comme nous qui ne connaissent pas beaucoup Bruxelles, c'est à combien de temps de la gare du Midi, là où c'est un peu plus comme notre point de référence. Exactement, par rapport à la référence, quand on parle de gare du Midi, c'est 6 minutes à pied. 6 minutes à pied? Oui, de la gare du Midi. Ah, mais c'est comment? Vraiment, à la place Barra, quand on parle de gare du Midi, c'est je ne sais pas si. C'est la plateforme. Oh, d'accord. Je ne manquerai pas cette fois-ci. Hein. Peut-être que tu as souvent été logé par une à l'hôtel Pullman. Oui, bien sûr. Pullman. Oui. J'ai été à Pullman. Sans publicité, j'ai été à... Il y a un autre hôtel, là, j'ai oublié le nom. Toujours, voilà. Donc, c'est vraiment le centre-ville. Mm-hmm. Nous sommes au centre-ville. Ça se passe plutôt très bien. Oui. Bonjour, Pactol, mon ami qui est en ligne. Vraiment, voilà, bonjour à toi, Pactol. Voilà. Salut, Annie. Artiste aussi. Oh, c'est Pactol, vous êtes artiste. Oui, Pactol. Il est basé à Bruxelles aussi. Oui, il est basé à Bruxelles. Il fait du R&B. Ah, salut, Pactol. Hein. Peut-être que la prochaine fois, tu auras sur Média 2 Africa. Nous sommes une plateforme qui faisons la promotion des événements et des artistes. Et bien entendu, la dernière fois, quand j'étais en ligne, j'étais avec lui, on a fait des missions ensemble. Yeah, d'accord. Voilà, donc je dis merci à Média 2, ça se passe vraiment bien. Moi j'aime bien ces genres d'émissions. Vous êtes loin, mais vous faites la promotion de la culture. Moi je vous suis tout le temps, mais ce que j'apprécie, c'est le côté professionnel, authentique. Il n'y a rien d'extra, il n'y a rien de superficiel. Peut-être des gens qui aiment l'extravagance, ça ne peut pas être peut-être leur style. Mm-hmm. Mais vous êtes original. C'est du bon, j'aime bien. Merci. Pas, moi, je dirais aux gens peut-être de venir à vos awards parce que avoir votre façon de travailler, parce que vous êtes rigoureux, il y a de la rigueur dans tout ce que vous faites. Les choses doivent être mises au point. Et de par le témoignage aussi, vous savez, la vie, c'est un témoignage. Tout à fait. Hier, on était à la conférence. Il y a une femme qui vous apporte un bon témoignage. Ah ouais. Ça veut dire que de par des choses pareilles, on doit aller dans des endroits pareils pour apprendre ou pour avoir des bonnes expériences. Ah oui. Donc, ah oui. Moi, je pense que les awards, ça peut qu'être un succès. J'en suis flatté. Et moi et mon équipe, vous disons merci. Vous savez, les awards, c'est pas que Maréchal Diallo. C'est toute une grosse équipe qui est constituée d'au moins une trentaine de personnes qui travaillent nuit et jour pour produire un événement de qualité à la diaspora américaine. Vraiment, pour continuer, vous avez parlé déjà de votre vie professionnelle, ce que vous faites lorsque vous ne chantez pas, alors votre vie familiale. Bon, pour ce qui est ma vie familiale, moi je suis... Si je vous pose une question et que vous n'êtes pas à l'aise, vous me dites, bon, Maréchal, non, vraiment, je ne suis pas à l'aise. Non, ouais, oui, vraiment. J'assume ma vie. Ah, d'accord. Mais Maréchal, en passant, quand on dit passer la noblesse, ça me dit, je suis d'une dé. Ok. Et 80% des personnes qui savent comment se comportent les gens d'une dé, c'est des gens très très libres.
D'accord. Ça dit, ici, si vous engagez ce qui ne m'arrange pas, j'arrête. Hein. D'accord. Je ne continue pas. D'accord. Et si je peux dire, ça veut dire je peux dire. Donc, vous ne me dérangez aucunement pas. Si je ne me sens pas bien, je dirai maréchal, je ne me sens pas bien. Super. Donc, pour ce qui est ma vie privée, chacun a un côté privé. Hein. Yeah, ouais. On peut le partager avec ses fans. Mm-hmm. Alors, pour revenir à moi, moi, je suis. Si on me dit. Tu, si dans certaines de mes chansons, je dis Mani Passi, comme dans le temps de Dieu. J'ai dit le temps de Dieu. Mani Passi, ça veut dire le Seigneur a voulu changer une étape de ma vie. En, voilà, en me bénissant avec deux enfants, ça veut dire moi, je suis la maman des jumelles. Moi, j'ai quatre enfants, un garçon, trois filles. Donc, je fais coucou à mon fils Orsel. Il nous regarde? Oui, oui, qui nous regarde. Orsel, bonsoir à toi. Et courage, vraiment. Occupe-toi des petits pendant que maman n'est pas là. Et bisous à Gloria, Maëla et Eloane. Et je ne manquerai pas aussi un coucou à mon chéri Alain, qui est bien connecté et qui me suit, même s'il ne dit rien. Bonsoir à toi Alain, dis-nous quelque chose pour nous faire savoir que tu nous suis. Donc, je dirais, j'ai une famille que j'aime énormément parce que ma famille me soutient beaucoup, ma famille me booste beaucoup. À présent, je suis ici aux États-Unis et j'ai les enfants à bas âge. Ça veut dire que mes enfants sont en sécurité, ça veut dire que j'ai une vie. Vous avez cette stabilité-là qui est garantie avant de pouvoir faire le déplacement. Voilà, ouais, vous savez apprécier et que j'assume. Oui. Donc, ma vie... Moi, je dirais que c'est un grand don parce que très peu d'artistes acceptent parler de leur vie privée hein, sur les plateaux de télévision. Et, généralement, on ne parle pas de ça. C'est sujet tabou hein, pour les artistes. Non, ce n'est pas tabou parce que il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Moi, je fais la musique parce que je veux parler de ma culture. J'ai constaté par le passé, comme dans certaines de mes émissions que j'ai faites, par le passé, il n'y avait pas trop de jeunes qui excellaient dans du folklore. On se retrouvait surtout, particulièrement chez nous, que c'était plus des personnes dans cette... Des personnes âgées. Alors, mais est-ce que ce n'était pas à cause des jeunes qui ne voulaient pas aussi jouer du folklore? Oui, ben c'est justement ce que j'ai dit, que c'était vraiment... c'était déjà voilà, un truc qui était en train de mourir. De mourir, oui. Donc maintenant, on devait comprendre qu'on doit relayer ce que nos parents ont commencé. Tout à fait. C'est aussi partie de notre identité. Donc c'est pourquoi j'assume cette identité culturelle que je porte. Moi, on me connaît. Hein. Moi, j'aime... Quand je dis la noblesse, j'aime tout ce qui est décent. Ça c'est mes origines, ça c'est mon identité, je l'assume parce que ça fait partie de moi. Ouais. Si je réunis cela, je crois que j'ai un problème. Tout à fait. Dit, je refuse la personne que je suis. Donc dire que j'ai une vie familiale que j'assume pas, c'est un problème. Parce que ceux qui me connaissent doivent savent que j'ai une vie de famille. Ah ouais. Mais que je reste sur un plateau télé et que je réunis cette vie de famille, je me demandais bien. Non, mais généralement, les gens ne réunissent pas, mais ils n'en parlent pas simplement. Non, même si ils n'en parlent pas. Non, pas. C'est une façon de réunir ensemble. Voilà, c'est une façon de réunir, même si on ne le dit pas. Oui, c'est une façon de réunir ensemble. Dis que merci à mon fils, merci à mon enfant. Ça veut dire que l'enfant se sent responsable de te soutenir dans ce que tu es en train de faire. Et c'est aussi un hommage. Donc, je ne vois pas pourquoi ceux que j'aime, je ne leur porterai pas des hommages. Et également, nous avons dit merci une fois de plus à tous ceux-là qui viennent de se joindre à nous. Nous pensons à Kemo Angeline, Alvin Goukok, la noblesse, courage ma star, Annie Vanivas, bonjour la star, Pacteur, bonjour la famille, bonjour. Son Excellence JPP, Jeff qui nous dit également bonsoir, Annie Bloudine, bravo ma guitare. Annie Bloudine, à très bientôt, à ma mère. Tati Tietieu, Serge Hermand, Détieu, Tagué, Marius, bonsoir à tous ceux-là qui nous Marius, on aura l'occasion que tu nous présentes parce que très à l'aise au micro, peut-être une autre édition de Blue Jean, comme pourquoi pas tu seras des nôtres. Bon, Amine. Blue Jean, elle est promotrice de la soirée du 10 à Bruxelles. Voilà. Je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est le 11 mai. Le 11 mai. Oui, là, D'accord, je suis disponible. Je voyage la dernière fois au Critérium. J'ai donné un coup de main à mon frère Willy Mix pour sa soirée. J'ai fait des soirées à Paris. Bon, voilà, si je pense que je peux être utile pour cette soirée ou bien une autre soirée, je suis généralement ouvert, je n'ai pas de problème de déplacement. Il faut juste qu'on s'accorde sur les principes de déplacement et tout. Et ce sera fait. Merci. Voilà. Courage à toi beaucoup, Annie Bloudin. Je sais, c'est pas évident hein, d'être promoteur. Je suis promoteur avant. Oui. Je suis communicateur, mais je suis également promoteur. Oui, c'est pas évident. Donc, courage à toi, Annie.
Je suis sûr que dans l'une de vos éditions, j'y serai. Hein? Oui, oui, ah, oui. Pourquoi pas. Ouais. Bon, voilà, on va entrer dans la dernière rubrique de cette émission et c'est une rubrique qu'on a qualifiée de questions embarrassantes. Oui. Ah oui, c'est des questions embarrassantes. Ah, hein? Ah oui. Délicat. Oui, oui, c'est délicat. Ben, ça fait partie de cette émission. Ça fait partie de cette émission. Donc, on va commencer à vous poser des questions qui parfois peut-être personnelles ou alors qui sont un peu parfois difficiles à répondre. Alors, si on parlait d'une autorité publique au Cameroun que vous détestez, donnez-nous un nom. Détester. Oui. Ou que vous n'aimez pas. Moi, c'est un langage qui passe par. Que vous n'aimez pas. C'est pas un langage propre à moi. Non, passez de joie pas à ce jeu-là. Il y a quand même des gens que. Je ne joue pas. Même sans raison, vous n'aimez pas la personne. Mais ça ne veut pas dire que vous détestez la personne. Martial. Je respecte la personne que vous êtes. Je vous aime tellement. J'aime bien votre éloquence. J'aime bien votre prestance. Mais souffrez de souffrez bon, d'accepter ce que j'aime pas. Attends, que je vous donne déjà les conditions. Vous avez deux questions que vous pouvez dire, je ne réponds pas. Mais toutes les autres questions qui suivent, vous allez répondre. Non, vous je ne réponds pas comme je veux, moi. Bon, répondez donc. Si vous voulez utiliser votre joker, vous allez dire, bon, je ne réponds pas. Je crois que c'est arrivé, monsieur, là, ça va pas. Oui, vous décidez de dire, je ne réponds pas. Non, je dois répondre. Je réponds comme je veux, c'est pas vous de me dire, c'est que moi je dois répondre. Non. On vous a posé une question qui est une sorte d'interrogation directe. Bon, écoute, Marshall, pour être plus précise, moi, je connais pas trop l'histoire de franchement, quand je te dis... C'est pas une personne politique, forcément. Oui. Quelqu'un que... Ça, je peux, par exemple, dire quelqu'un que vous n'aimez pas. Il y a des gens que vous n'aimez pas dans vous. Bon, moi, j'aime tout le monde. D'accord, ok, ça va. Je peux ne pas aimer quelqu'un. Quand on dit aimer quelqu'un, c'est quoi? Moi, je peux ne pas apprécier quelqu'un, mais je suis pas son ennemi. D'accord, voilà. Ne pas aimer quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un que vous n'aimez pas. Peut-être parce que moi, j'ai mon côté spirituel. Okay. Moi, je suis chrétien. Hein, ça veut dire, je choisis pas la nature des gens. Mm-hmm. Parce que moi aussi, je peux être une personne que quelqu'un d'autre n'aime pas. Ouais. Alors moi, je ne sais pas qualifier quelqu'un de quelqu'un que j'aime pas. D'accord. C'est pourquoi c'est un peu compliqué pour moi. D'accord. Voilà, on va passer à la prochaine question qui n'est pas de moindre. Oui. Voilà que vous êtes à Washington aujourd'hui. Le jour que vous décidez de rentrer chez vous à Bruxelles, vous retrouvez votre mari dans votre lit conjugal avec une femme. Oui. Quelle sera la relation de passé? Mais ça ne me dit rien. Vous croyez que mon mari ne m'a pas trompé avec une femme? Ah, je sais pas! Ce que vous voulez savoir. Je sais pas. Je sais pas. Ah oui, mais vous êtes un homme, mais vous aussi vous avez trompé votre femme. Mais je sais pas. Bon, moi je parle pas de moi pour le moment. Ah, mais vous parlez de moi. Oui. Et moi je vous dis donc. Non, on parle de votre réaction en fait. Si je trouve mon mari dans mon lit avec une femme, ça veut dire que cette femme a profité dans mon dos quand j'étais pas là pour venir se coucher dans mon lit. Alors, comme je suis rentré, elle doit débarrasser, elle doit libérer mon lit. Elle doit retourner à qu'est-ce que vous allez faire pour qu'elle libère votre lit? Non, mais elle va partir, puisqu'elle saura que je suis de retour. Oui, elle n'a pas de place. Non, bon, croyez à la place pour me. Non, bon, si elle résiste, par exemple. Elle ne pourra pas résister. Comment elle est venue parce que j'étais pas là? Pourquoi elle n'est pas venue quand j'étais là? Bon, vous la trouvez, elle ne savait pas que vous aviez rendu. Si elle ne savait pas, maintenant elle sait parce que je suis là. Bon, et si elle refuse de partir? C'est pas des affaires, elle doit partir parce que celui qui l'a amenée doit savoir que maintenant elle est mariée. Prenons un cas passé où vous venez, vous la trouvez et elle refuse de partir. Vous faites quoi? Mais elle ne peut jamais refuser. Pourquoi elle n'est pas venue quand j'étais là, mariée? Non, vous posez une autre question. Non. Vous ne répondez pas à ma question. Ici, c'est moi qui pose une question. Si vous venez, vous la trouvez et elle refuse de partir, quelle sera votre réaction? Mais il faut qu'elle fasse donc. Peut-être si elle doit allonger pour qu'elle me boue de le soir de la maison. Elle doit se faire chambre à elle. C'est pas la même qu'elle doit occuper. Oui, elle prendra la peine de faire sa chambre parce que la même, je l'ai fait. Alors, ma question, c'est en fait, de faire sa c'était chambre. Pour savoir si vous allez l'aborder, vous allez parler avec elle, vous allez... Non, je l'aborde pas parce que je ne la connais pas. Voilà. Je ne veux même pas la connaître, je cherche même pas à la connaître. Voilà, donc vous ne lui parlez pas. Donc, elle n'est même pas mon centre d'intérêt. Voilà. Oui, mais s'ils ont fini, je prends mon chéri, je dis chéri, je suis de retour. Le reste, ce n'est pas des affaires, moi, j'en ai rien à foutre. Ok, merci. Peut-être c'est pourquoi elle était là, elle a fini son séjour et puis elle va libérer les lieux. Voilà, il y a Nibloudim qui dit bien dit Mani, bien dit. Voilà, bon, on va toujours continuer dans ces questions embarrassantes. Hein. Vous avez parlé, vous avez des enfants, et puis on connaît un peu comment nos enfants aujourd'hui grandissent, et parfois il y a un environnement qui
qui crée un manque de respect envers les parents. Oui. C'est peut-être de la façon dont les enfants ont été éduqués, ou alors parce que de nos jours, définitivement, les parents ne passent plus assez de temps avec les enfants pour leur donner la ligne de conduite qu'ils auraient souhaité. Oui. Peut-être à tort ou alors à raison, parce qu'il faut aller s'assurer que le lendemain, quand l'enfant va arriver au collège ou bien à l'université, on peut pouvoir payer ses études parce que ça coûte beaucoup cher. Donc les parents sont toujours en train de travailler. Alors, si vous, même scénario, vous arrivez à la maison et c'est votre fille de 15 ans avec son copain, chez vous. Bon, moi je crois que c'est délicat, hein. C'est un côté délicat pour ce qui concerne l'éducation des enfants. C'est vrai qu'ici, en Occident, on a comme l'impression qu'il faut dire des choses d'une manière précoce aux enfants. Mais parfois aussi, de par notre éducation, on a aussi peur d'aller en avance sur certaines choses. Et ce que je sais, c'est que la vie de famille, l'éducation des enfants, faut vraiment... voilà, excusez-moi de mon côté spirituel. Mais allez-y, allez-y, bien sûr. Il faut incorporer Dieu dans les affaires des enfants. Ça veut dire il faut beaucoup prier pour ses enfants. Et il faut beaucoup d'harmonie et beaucoup d'abstention, pas trop de tension, pas trop de vigueur. Il faut un peu collaborer. Mm-hmm. Même s'il y a des choses qui se passent, peut-être l'enfant n'est même pas conscient de l'acte qu'il pose. Peut-être parce que tu n'as pas eu l'occasion de parler avec l'enfant. Peut-être parce que l'enfant a voulu faire comme son ami. Peut-être l'enfant... Oui, peut-être dans les relations. Oui, peut-être il y a l'entourage. Il y a beaucoup de... Ouais, l'influence des groupes. Donc moi, je crois que le mieux ne serait pas de crier. Mais oui, mais on doit d'abord crier pour montrer à l'enfant qu'on n'est pas content. Mais on doit revenir à la raison. On doit vouloir savoir c'est quoi sa motivation. Ça, c'est ma façon de voir les choses. On doit savoir pourquoi est-ce que c'est venu l'idée de faire, de poser cet acte et dans ce contexte. On doit quand même savoir parce que tu ne sais pas, là, peut-être l'enfant te dira même quelque chose de banal ou peut-être quelque chose de pire aurait même pu se passer. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Nous, les parents, parfois, on est rigoureux. Oui. Vous êtes très, très prudent dans vos réponses, là. Mais vous ne dites pas quelle est votre réaction. Vous êtes en train du boulot. Vous allez faire votre boutique. Je vais crier. Oui. Je serai rigoureuse pour montrer à l'enfant que ce n'est pas ici. Ce n'est pas ce périmètre. Ça ne devrait pas se faire. Parce qu'elle n'a rien dit aussi. Ce n'est pas aimer son enfant. Mm-hmm. Je dirais que non et sévèrement. Et après, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aucun parent ne se mettra... C'est, même si tu brutalises l'enfant, même si tu fais quoi, tu ne sais pas qu'est-ce que l'enfant a eu, pourquoi l'enfant est arrivé à ça. Tu dois le gronder, tu l'as dit non, c'est pas possible ici, c'est chez moi. Et toi, tu n'as que 15 ans, tu n'es même pas majeur. Ça veut dire qu'il y a encore des choses que tu ne devrais pas faire. Même si tu devrais le faire, ce n'est pas dans ces circonstances. Tout à fait. Maintenant, tu devras maintenant aborcer l'enfant pour voir si l'enfant était déjà en avance même par rapport à sa psychologie. Parce que tu peux vouloir le limiter alors que c'est un truc que l'enfant est déjà avancé. Maintenant, il faut déjà maintenant le dialogue pour savoir c'est quoi sa motivation et à quel niveau il en est. D'accord. Là, maintenant, je vais vous donner les noms et vous me dites simplement ce que vous pensez d'eux. Ça peut être de façon générale. Samuel est au fils. Ah, bravo fils d'Afrique, hein, qui a prouvé, qui a fait des choses pour l'image du Cameroun. Moi, j'ai apprécié Samy. Voilà, dans l'une de mes chansons, lui a fait une dédicace. Hein, je ne le connais pas, je ne veux même pas qu'il soit au courant. Est-ce que c'était pas pour demander le farotage? Non, ça ne m'intéresse même pas. Je ne connais même pas, je ne cherche même pas à le connaître. Ah, d'accord. Et tous à qui je fais, peut-être un jour, je pourrais dire, Maréchal, j'apprécie ce que tu fais. Je pourrais te faire une dédicace juste pour le fait que ce que tu fais, j'apprécie. Parce que toi, tu ne pourras rien faire de ma vie, mais Dieu pourra faire quelque chose de ma vie. Tout à fait. Voilà. Longue, longue. Dans la musique, dans ma musique où je fais une dédicace, c'est d'où c'est dans le temps de Dieu. Hein. Okay. Donc, si tu le contestes, pour que tu comprennes pourquoi. Okay. C'est pour dire que... D'accord. Avançons. Prochain nom, c'est un Camerounais que j'aime bien, que j'apprécie comme tout le monde, qui a son univers. Et dans son genre musical, il le fait bien. Sa personne privée, j'en sais rien, c'est sa vie. Mais j'apprécie Longue Longue. C'est un brave citoyen camerounais que j'aime. Fleur de Lille. Fleur de Lille, c'est une Camerounaise, comme tout le monde. Ma faute, je l'aime bien, je l'apprécie. Et elle n'est pas ma copine. Mais je l'aime, je l'apprécie. C'est une brave fille camerounaise qui impose aussi son image. Moi, ce que je sais, c'est qu'on peut influencer le monde à sa manière.
Ça me dit, chacun fonctionne comme il veut. C'est chacun son univers. Peut-être ce que je fais ne plaît pas à d'autres personnes, mais ils apprécient le fait que par ce que je fais, je peux impacter ou je peux pas faire parler du Cameroun quelque part, même s'ils n'aiment pas ce que je fais. Tout à fait. Donc moi, la personne de fleur de lune ne me dérange en rien pour le fait qu'elle fait ce qu'elle fait, elle se sent bien dans ce qu'elle fait, et j'ai pas de raison à ne pas l'aimer. Parce qu'on n'a rien pour que je puisse dire que je l'apprécie pas. Tout à fait. Le dernier nom, Nyangolo du Sud. Hey! Nyangolo du Sud. Moi particulièrement, Nyangolo, je l'aime bien. Hein? Mais je ne sais pas moi. Moi je l'aime parce qu'il est naturel. J'aime son côté naturel. Je ne le connais pas particulièrement. Mais chacun a sa place dans la société. Tout à fait. On ne saurait faire un monde que avec ceux qui sont... Voilà, je sais pas. Chacun a sa place, comme je l'ai dit. Ça veut dire, Marshall, il faut aussi peut-être que tu regardes Nyangolo pour sourire. La preuve, en parlant de Nyangolo, tu as rigolé. En parlant de tout le monde, ça a rigolé. Mais en parlant de Nyangolo, tu as rigolé. Ça veut dire que ça t'a fait du bien. Voilà, de parler de lui. Donc, ça veut dire, moi, évidemment, je peux partager le même sentiment que toi. Je peux aussi rigoler quand je le suis. Mm-hmm. Ça me fait plaisir. Tout à fait. Donc, voilà. Voilà, merci infiniment parce que la noblesse d'avoir accepté l'invitation de Média de l'Africa. C'est la deuxième fois que nous avons comme invité en l'espace d'un mois. C'est pas habitué quand même ici avec nos invités. Hein. Bah oui, il faut dire que vous êtes moi, spécial. Ma chance, au moment, j'ai deux. Hein. Si moi je suis maman de jumelles, ça veut dire que j'ai doublement de chance que les autres. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vraiment, très chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci et nous vous donnons rendez-vous ce soir du côté de 1251 Saragota Avenue, c'est à Washington DC, 1251 Saragota Avenue Nord-East, du côté de Washington DC, c'est où l'artiste international Pasina Noblesse venu de Bruxelles se produira ce soir dans le cadre de ce projet d'adduction d'eau potable dans le village Bantoum. Alors, passez la noblesse, un mot de sortie à tous ces femmes-là qui nous ont regardés pendant ces heureuses émissions. Je m'estime très très heureuse et je bénis le Seigneur d'être l'élu de cette émission ce samedi. Ah oui. Et je remercie tous mes fans connectés. Et Vicky, merci, Sissi, tout le monde, Jonas, mon coiffeur qui me regarde. Je suis très contente. Tout le monde qui était connecté, je pense que ensemble on peut faire des choses. Merci Maréchal pour ce plateau en or. Merci. Voilà que j'ai pu partager en live. C'est vrai que je l'ai souvent fait à distance, mais je n'ai jamais savouré la bonne humeur du studio. Tout à fait. C'était vraiment particulier. J'aime ton côté fun. C'est vrai, parfois tu es un peu dur, mais parfois tu es un peu... Oui. Parfois aussi tu as un peu de l'humour pour apaiser les choses. Tout à fait. Voilà, ça fait aussi partie un peu de condiment, hein, comme on dit vulgairement. Tout à fait. Voilà, ça aromatise un peu la chose. Donc c'était un plaisir. Et je demanderai à tous mes fans du côté de Washington, du côté des États-Unis, d'être vraiment prêts pour le show de ce soir. Parce que là, j'ai fini avec Maréchal, c'est juste un repos pour être à votre disposition. Ça va tuer. Quand je dis ça va tuer, ça rigole pas. Ça serait du chaud et du fort, comme je l'ai dit. Ce serait très très bien. Toute l'équipe est prête. Moi, je suis prête. Je suis venue pour vous. J'ai fait le déplacement pour assurer. Et je suis là pour assurer. Donc, tenez-vous tranquille. Ça va courir. Donc, merci aux téléspectateurs. Merci à ceux qui regardent constamment Maréchal. Merci. Merci pour l'émission. Merci pour l'équipe en studio. Merci, merci, merci à Pascal Noblesse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était l'édition du samedi 27 avril 2017, édition spéciale de Diasporama, où nous avons reçu Passy la Noblesse. À la production ce soir, caméra 1, c'est bel et bien celui que vous connaissez bien avec l'équipe de Média 2. Il s'appelle Alain Chamon. À la caméra 1, caméra 2, autant pour moi, elle s'appelle Florence Afana. Et aux lumières, elle s'appelle Adeline Biakop. Le producteur, réalisateur de cette émission, il s'appelle simplement Jules Kamfoudlati. Devant vous, je serai votre humble serviteur, l'homme à la voix chromée, aromatisée, revitalisée, le maréchal Tiano. Bonsoir et à une édition spéciale très prochaine de Diasporama. Ciao.
pour tout ça.